Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No. Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le haul Zara dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo haul mode. J'ai quand même fait pas mal d'achats chez Zara et je vais vous montrer tout ça maintenant. Je commence avec ce pantalon que j'ai acheté chez Zara. J'ai eu un gros coup de cœur. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo haul, je porte pas très souvent des pantalons, j'aime pas trop sur moi. Et j'ai tenté ce pantalon là, j'ai eu un coup de cœur sur la photo, je me suis dit je vais tenter. Et finalement je l'adore même sur moi. Donc j'ai acheté ce pantalon là, ce pantalon bleu que vous pouvez voir juste là. Puisque du coup normalement j'aurais bien fait la vidéo et vous aurez les essayages, donc vous allez pouvoir voir comment il rend. Donc gros point négatif de ce pantalon, c'est son prix, parce que je crois qu'il est à 59,95€ quand même. C'est énorme, enfin je trouve ça super cher. Et j'ai pris ce petit top là pour aller avec, mais pas que. Mais enfin je trouve que ça rend bien et c'est le genre de top ça que j'adore porter avec plein de vêtements, enfin avec des jupes et tout. Le top coûtait 7,95€, il existait en plein de coloris. J'ai pas mal de couleurs à vous montrer, vous allez voir il y a vraiment beaucoup de couleurs. Cette jupe, j'ai eu un tel coup de cœur dessus. Alors faut l'avoir porté en total look, moi j'ai acheté une chemise satinée pour aller avec. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos, le détail du look que je vous montre. Je sais pas si elle sera encore dispo parce qu'elle est quand même souvent en rupture de stock. En tout cas ils en ont sorti plein avec cette coupe là. Si jamais par exemple vous aimez la coupe mais pas le motif, ils en ont sorti plein. Jusque là je vous montrais parfois des articles Zara dans mes vidéos, mais c'était quand même pas hyper souvent. Je pense que vous pouvez le constater parce que je m'y retrouvais pas trop chez Zara. Et puis là, mais cette année je sais pas ce qui se passe mais j'aime tout. Cette jupe là, gros coup de cœur que j'ai pris en taille S. M, j'avais hésité avec ML parce que je vous l'ai déjà dit, j'aime bien moi les jupes quand elles sont un petit peu plus grandes, j'aime bien les surtailler pour être plus à l'aise et que ça ressorte pas en fait les... Vous savez là, des fois quand je mets une jupe, bah, ça me serre et du coup ça ressort ça, mon poignet d'amour. Habituellement je les cache en vidéo pour pas que vous les voyez parce que normal j'essaie de me mettre en valeur. Mais là je voulais, bon, il suffit que je mette une jupe en fait et ça va bien serrer et ça va ressortir ça. Donc bah, pour éviter ça, souvent je prends une jupe qui va moins me serrer. Et là finalement franchement faut pas hésiter si vous faites du M à prendre SM par exemple parce que c'est quand même plutôt... Deuxième et dernière jupe que j'ai acheté, c'est cette jupe là. J'adore la matière qui fait très très vacances. C'est pas comme du lin mais c'est vraiment un truc très confortable. Elle était à 39,95€, elle est toujours sur le site, je l'ai vue, elle est également en noir. Et la ceinture est avec, vraiment elle est très très bien. Et puis pour le coup ce qui est chouette aussi c'est qu'elle est plutôt épaisse, donc pour du blanc... Faut quand même mettre des sous-vêtements nude, c'est mieux, mais pour du ou rouge, mais pour du blanc, c'est pas mal. Un petit basique, mais couleur vert plutôt néon, que j'ai payé 4,95€ et qui va être très bien rentré dans un jean, rentré dans une jupe ou autre, mais vraiment très simple. J'aime d'amour cette robe. J'ai eu un tel coup de cœur quand je l'ai vue. Cette robe-là, je l'ai achetée quand je suis allée rendre visite à ma soeur. Elle a un immense Zara. J'y suis allée. Je l'ai trouvé magnifique mais je me suis dit non c'est bon, sachant que j'avais déjà fait pas mal de shopping sur internet, là je voulais pas en faire en magasin. Le lendemain, en repassant dans le magasin, j'ai dû m'arrêter, j'ai dit non. De toute façon en fait, je me connais, j'aurais fini par la prendre dans la semaine après sur le site internet. Donc je l'ai prise, elle était à 49,95€ et elle a la ceinture qui est avec, pareil. Quand je l'ai essayé dans le magasin c'était avec mes petites baskets Nike Air Force One et je trouve que ça faisait bien. C'était pas la chaussure idéale pour aller avec, mais je trouve que ça faisait bien même avec des baskets, donc ça fera bien avec mes Converse. Mais avec même des petits talons, ça fera trop canon. C'est une robe t-shirt, c'est immense, il n'y a pas de forme, c'est vraiment le truc le plus immense, grand, tout ce que vous voulez. Sachant qu'en plus je fais du M mais j'ai pris du L, j'ai pris ça en pyjama. Voilà, donc à la base c'est une robe, je l'ai prise en jaune et en grise, mais la jaune elle est au lavage. C'est en fait mes pyjamas depuis que je les ai achetés. Moi j'aime trop quand il fait un peu chaud avoir des pyjamas super larges. Comme ça quand vous vous trimballez qu'il y a un petit peu d'air, ça passe et puis ça fait du bien. Elle est à 15,95€. J'aimais bien en plus ce qui est marqué dessus. C'est tellement, voilà, moi enfin vraiment je veux pas de drama, je veux rien, je veux tous les dramas ou les ci les ça, moi je m'en occupe pas. Non merci, je reste en dehors de ça. Cet article là moi j'en suis complètement fan, mais alors Nico quand il l'a vu, ça lui plaît pas. Donc je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde et je peux le comprendre. Ce petit top à sequins, donc déjà je pense que le fait qu'il y ait des sequins c'est pas son truc. Et en plus qu'il soit jaune fluo comme ça, vers Nice fluo, bon, c'est pas très grave. Comme d'hab, hein, comme je vous dis, moi je m'habille pas pour les autres, je m'habille vraiment pour moi. Donc, tant mieux, c'est clair si ça lui plaît, c'est mon mari. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Comme je pense que ça, on verra avec la lumière là, artificielle, ça ressort un petit peu, même il y a du blanc et tout, mais sinon c'est un vert. Hein. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, on voit bien là. J'adore aussi les bretelles spaghetti comme ça, c'est tout simple. Je m'imagine carrément ce top là... quand je serai plus bronzée. Il était à 17,95€. Pour rester dans les robes très confortables, amples, etc. Mais là, pour porter cet printemps-été, tous les jours, enfin un peu pour la nuit, j'ai pris cette robe-là.
C'est pareil, j'ai eu un coup de cœur en fait dessus. J'ai bien aimé la couleur, la forme aussi, c'est le genre de forme que j'adore. Je me suis dit je vais tenter, ça se trouve ça ressemblera à rien. Et ben finalement j'ai adoré. J'ai pris la taille S à 19,95€. Puisque c'est le genre de robe que déjà c'est déjà assez ample, donc perso j'essaye de plutôt de les sous-tailler ces robes là. Pareil, je l'avais essayé avec mes Nike Air Force One quand je l'ai essayé et je trouve que ça faisait trop bien. Niveau chaussures, j'ai acheté ces claquettes là. Je les ai prises en taille 36, je pense que le 35 aurait peut-être mieux convenu. Sauf que j'ai vachement de... Enfin c'est un petit peu chiant parce que moi je fais du 35 dans la plupart des marques, enfin que des, vous savez du groupe Zara là, Inditex. Je fais du 35, mais il y a certains modèles où quand je les ai achetés en 35, notamment chez Zara, bah je finissais par les renvoyer parce que c'était pas, c'était limite juste et ça faisait pas joli. Donc là j'ai pris 36 directement, ça va. Au début je m'étais surtout dit peut-être que le 36 ce sera trop large parce qu'en plus d'avoir un petit pied, bah, il est tout fin. Donc souvent quand j'achète ça, mes pieds ils dépassent quand je marche et c'est moche quoi. Finalement ça va pour du 36, il est quand même pas très large et il me tient bien le pied. Deuxième et dernière paire de chaussures que j'ai à vous montrer, mais le haul n'est pas fini. C'est ces petites sandales là. Mais quel coup de cœur pour ces sandales là. Donc talon très confortable puisque c'est du 8, 8,5, je sais plus trop. Et ça c'est le genre de chaussures, si vous me connaissez, que j'adore hein. J'en ai plein, argenté, noir, nude. J'en ai même des rouilles, enfin j'en ai de plein de couleurs, ce genre de truc tout simple. Sauf que bah, les miennes, les noires, elles ont déjà fait un long moment. Donc je me suis dit je vais en racheter une autre paire. Et surtout bah, elles sont encore un peu plus originales quoi, parce qu'il y a plus de lanières. Du coup j'ai quand même hésité avant de les prendre parce que je trouve qu'elles étaient pas données. 59,99, 95. Ça va, parce qu'elles ont l'air de quand même d'être de bonne qualité, confortables et tout. Mais ouais, j'ai attendu un petit peu avant de sauter dessus. J'ai pris cette robe-là, qui je le sais, ne va pas plaire à tout le monde encore une fois. Mais moi j'ai trop adoré son côté décalé. En fait son côté très simple, ça fait genre un peu robe nuisette sur la coupe super simple. Sauf que comme vous pouvez voir, à la fois elle est ultra décalée par toutes ces froufrous qu'il y a dessus. Et ça avec les petites chaussures noires toutes simples, imperfecto, mais... Je trouve que pour un petit soir d'été ça va être parfait quoi. Et puis sinon la robe comme ça avec des claquettes, enfin moi j'aime trop, mais vous savez que j'aime tellement l'originalité, les couleurs et tout. Celle-là elle était 29,95€ et pour le coup je l'avais repérée depuis très longtemps. Je termine ce haul avec cet article là qui n'est pas un Zara mais qui est un Stradivarius, donc bon c'est presque pareil quoi, c'est le même groupe. Je voulais vous le montrer parce qu'en fait je trouve qu'il est trop mignon et il va trop bien avec la jupe blanche que je vous ai montré. Je crois que je l'ai acheté, non je l'ai même pas acheté sur Stradivarius, je l'ai acheté sur Asos. Il me semble qu'il est dispo en plein de couleurs et je le trouve trop bien. Donc comme d'hab n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner, ça me fera très plaisir comme d'hab vous le savez. N'hésitez pas également à commenter, à me dire que j'aime trop savoir si vous avez fait des trouvailles etc ou ça. Maintenant je vous laisse ici, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo.